Bonjour tout le monde! Coucou tout le monde! J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes, je ne sais même plus, jeudi 4 mai. Alors, le facteur est passé en deux temps puisqu'on a un facteur pour les colis, un facteur pour le courrier. Et eh ben, on avait la même personne avec les deux facteurs. Donc, on a reçu cette enveloppe avec ces magnifiques timbres. Ils sont trop beaux. Ils sont super jolis. Et l'écriture, tu vas te reconnaître tout de suite, hein. C'est notre petite Fanchon au dos. Elle a fait un tampon d'une petite fleur. Ouais, on la voit, mais c'est très discret en vidéo. La fleur. Ah, mais elle est super belle. Et un washi avec plein d'étoiles. Tu mets des étoiles dans nos vies, Fanchon. Yep. Là, oh, il est chouette ton petit tampon. J'avais pas fait attention. J'avais vu ceux d'angle. Ici. Ah oui. Regardez, on a les bras de muguet. Ah, il est super joli comme tampon. On a aussi là, ça c'est ceux d'Action. Regarde, là. Pareil, la couleur est très discrète, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Hop, hop, je tords ma main dans tous les sens, mais ça va pas. Là, vous le verrez peut-être mieux. Oui, on le voit bien là. Avec les petites fleurs. Allez, zoup, ça c'est ouvert. Le scalpel, je l'attrape, il servira après. Bon, préparez-vous un petit café, un petit thé. Hein. Installez-vous bien paisiblement. Yep. Oh là là. Oh, elle est jolie. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh, j'adore. Oh, qu'elle est belle. C'est magnifique. Ah, ils sont superbes. Regarde le devant. Tous les timbres. Ah, ils sont superbes ces timbres. Elle joue entre sa carte. Elle est trop belle. J'adore. Donc, sur une base de papier craft marron un peu irisé, texturé. Voyez ce papier-là. Elle est venue coller un carré en craft. Et elle a collé plein de stickers vintage en forme de timbre. Alors, attendez, j'ai un papier là. Yep. Je vous les montre, ils sont trop beaux. Et au dos, on en a deux autres. Je ne sais pas où tu as trouvé ces timbres-là, mais ils sont superbes. Oh, puis à l'intérieur aussi, un gain de puce. Ah oui, j'adore. J'ai mon petit mot, c'est Paris. Ils sont trop beaux. Oh, j'en ai encore jamais vu des comme ça. Oh, ils sont magnifiques. Le petit mot avec un tampon colorisé. Ah oui, bah oui, alors là. Mince, désolée, je te décalais. Ah bah, elle est totalement originale et vraiment vintage. Elle est superbe. Merci beaucoup, ma Fanchon. Je te fais plein de gros bisous. J'aime trop. Merci de tout cœur. Et alors là, tu connais parfaitement mes goûts. Oh là là. Oh, oh. Ah, c'est elle qui a colorisé la fleur. Oui, oui, c'est elle qui l'a colorisée. Là, on a plein de découpes. Attends, je vais pousser l'enveloppe. T'allais parler, vas-y ma puce. Bah, de loin, on pourrait croire que ça a été tamponné comme ça. Et que ça a été imprimé. Bah oui, sur le coup, j'y ai cru. Ah non, non. Oh oui. Oui, j'adore les engrenages. Ils sont super. Tu veux une feuille pour... C'est ce que j'allais te demander, ma puce, s'il te plaît. Donc là, c'est des découpes Stampin' Up. J'ai ça sur ma route, ça te va? Oui, ça va aller. C'est la feuille ou hein, tant pis, mais... Mais au moins, c'est blanc et c'est grand et c'est oui, oui. Solide. Ils sont super. Est-ce que tu veux que je fasse pour une fois la table et tu présentes? Si tu veux. Allez, vas-y. Ils sont trop beaux. Tu fais comme quand un coup, t'avais fait. Avec la petite bulle là. Hop! Ah oh, bah super, merci. Pousse ma table, je te dirai rien. Voilà. Yep. Donc là, dans une autre couleur. C'est bien comme ça. Oui, ma puce. Après, je te laisse te déplacer en fonction d'où je les pose. Ils sont trop beaux. Alors, pas trop le tapis, s'il te plaît. Va pas me faire Bagdad. Hein. Tu trembles. Et tu n'iras pas leur donner une balle de mer. Une voiture. Oh, ils sont trop beaux. Attends, ça c'est le même dans une autre couleur. Là,
Yep. Oh, ils sont magnifiques. Là. Ça, c'est celui-là. Ça, c'est le même. Ça, c'est le même. Oh, ils sont magnifiques. Je kiffe. Attendez, je trie un peu comme ça. Je vous montre pas tous les mêmes. Là, il y a celui-là. Est-ce que tu veux que je t'aide à trier? Non, ça va aller. Là, il y a des morceaux. Ça doit revenir après. Se rassembler, on va regarder. Oh, attends. Il va y avoir une histoire comme ça. Attends. On a la caisse à outils, on a le pot d'échappement. Puisqu'on a la voiture, on a le pot d'échappement. Tu me diras si je dis une bêtise. Là, ça doit être la caisse à outils. Avec le couvercle ouvert, les outils qui dépassent, je suppose. Hein. Tu me diras si je dis des bêtises. Je décale le. Et là, on voit bien le pot d'échappement. Le temps que tu fasses ton. Là, il y en a un comme ça. Attends, regarde. Là, celui-là, je l'ai mis. Attends, et puis je remets en hauteur. Celui-là, c'est le même sur noir. Oh, voilà, je vais m'éclater. Là, c'est le même en crème. Après, c'est les mêmes. Et tu m'en as fait plein. Je te remercie beaucoup. Vas-y, je te laisse leur refaire un petit tour de vue. Ah, ils sont magnifiques. Merci infiniment, ma Fanchon. Ah, je kiffe. Oh là là. Ça, c'est mon dada. Ah, je vous en travaille pas souvent, mais... Voilà. J'adore. Je vais essayer d'en faire un peu plus du steampunk. Avec justement tous ces rouages, ces ancrages. J'aimerais bien... Oui, oui. J'aimerais bien... Merci, ma puce. J'aimerais bien arriver à remettre la main sur mes rouages métalliques et en bois, mais bon. Je vais y arriver un jour. Hein. Un jour, j'y arriverai. Oui, il y a encore des découpes. Oui, il y a encore une poche. Oui. J'en ai un qui a glissé sur la cuisse. Alors, je prends mon temps pour les ranger parce que je ne veux pas non plus les abîmer. Pierre, je ne vous montre pas son petit mot, mais elle l'avait fait sur une découpe. Hein. Son petit mot. Elle est belle cette découpe-là aussi. Mmh, j'adore. Pour des étiquettes, pour tout un tas de choses, elle est top. Ah, yep, les petits morceaux de dice, ça, on en retrouve toujours. Et la deuxième, oh, qui sont beaux les papiers. Je sais pas quelle collection tu as utilisée, mais les papiers sont magnifiques. Je peux les mettre là. Oui. Bah, je t'en voudrais pas. Yep. Deuxième pochon. Il y a des memory dex. Ouais. T'as vu, je me rappelle du terme pour une fois. Mais c'est bien, mais ça va venir à force. Regardez, on a une découpe de memory dex. Donc là, ça fait un peu un aspect sable. C'est même pas un peu, c'est vraiment un aspect sable. Alors peut-être qu'en allumant, vous verrez mieux. Et de l'autre, on a les coquillages, l'étoile de mer et tout ça. Donc, voilà. Là, c'est un autre contour. Là, en forme de tag, toujours une memory dex. Le papier est juste waouh. Avec les fleurs, il est magnifique. Aïe, désolée pour le bruit, c'est ma chaise. Les papillons, il y a des petits papillons aussi. Trop beau. Oh, le papier, là, tu peux l'enlever, il est pas beau. Au moins, on verra sa jolie carte. Là, c'est pareil. Le fond, il est magnifique. Au dos, c'est un bleu clair. Ça, on regardera après. Là, sur une base parme. Oh, elle est très jolie. Elle est venue la décorer avec une découpe miroir. Et une pile de livres. Elle est très jolie. Là, on a les cadres, comme je vous ai montré l'autre fois. Yep. Donc, le cadre... Hop, là, j'ai ma bête, en plus. Le cadre de la première, il est là. Voilà. Là, on a encore deux memory dex en tag. Sont superbes.
bleu clair. Et là, comme celle que je vous ai montrée là, donc l'effet sable d'un côté, et coquillage, étoile de mer, et les petites bulles d'eau de l'autre. C'est trop joli. Ah bah tu peux la chanter plus fort quand même. Coquillage et crustacés. Celle-là, je vous les montre après. Allez, je vais pas chanter plus parce que je connais pas la suite. Il est magnifique ce papier. Oui, après il va pleuvoir. Non, quand je chante, il pleut pas, s'il te plaît. Oh là là, et là. Oh, j'adore, regarde. Ah oui. Je sais pas quelle collection c'est, mais il est magnifique ce papier. Là, on en a une autre que tu as préparée aussi. Regardez comme c'est joli. Donc là, elle s'est servie d'une base. Elle est revenue refaire une découpe où on a le cadre. Donc quand je vous dis le cadre, c'est... Eh ben tiens, le cadre de celle-là, c'est celui-là. Mais elle est venue mettre un autre cadre pour que ça ressorte. C'est super joli. Là, on a encore les cadres des autres. Là, elle nous a fait trois onglets. Et là, oui, on a des découpes. Couches. Ah oui, au fait, l'autre jour, quand elle a dit elle est en train de manger, je sais pas quoi, elle faisait pas de bêtises. Hein. Elle était juste en train de... avec sa mâchoire sur son jouet. Hein. Oli, c'était son jouet à elle. Ah, là, t'es tranquille. Elle arrive. Attends, je bloque parce que je veux pas qu'elle saute sur les découpes. Non, non, tu viendras pas dire bonjour maintenant. Et regardez-moi cette finesse de feuillage. Oh, c'est superbe. Donc, on en a un dans les teintes de blanc et l'autre dans les teintes de... c'est un effet sable où on a du bleu clair derrière. Mais ça rend vraiment trop bien sur le feuillage. Oh, merci infiniment, ma Franchon. Oui, oui, ma puce. Elle est partie voir si Oli voulait quelque chose. Merci de tout cœur, franchement. Wow. Alors, je les range tranquillement. Pareil, pour ne pas les abîmer, parce que je m'en voudrais. Mais merci, merci infiniment. Elles sont magnifiques. Toutes ces découpes. Aïe! Je remets les petits onglets. Et on servira ça, de ça rapidement. Allez, je pose là. Et ensuite, le deuxième facteur a amené un colis pour Lola. Ah, il est tout petit, hein. Regardez-moi ça. Il ne rentre même pas dans l'écran. Si. Ah non, pas entièrement. Non, pas entier. Je joue du scalpel? Non, je... Tu fais? Alors, vas-y. Alors, je vais juste peut-être pas être dans le champ de... Ah bah, si, du coup. De toute façon, tu le décaleras après. Tu sortiras du champ pour pouvoir voir ce que tu sors et puis avoir la place pour montrer. Alors, je triche pas. Hein. T'as du scotch là, ici aussi, et en dessous, devant. Par contre, tu te méfies, il y a son adresse là, ici. Oui, c'est pour ça que je fais attention. Voilà. Je vous vole la vue. C'est pas grave. Coucou, je suis là. Celle-là, je vous la laisse, hein, j'en veux pas. Oh, elle dit ça, mais elle n'en pense pas un mot. Bien sûr, hein, quand je dis ça, c'est de l'humour. Hein. Oui, c'est comme quand tu me dis, allez, casse-toi. Je dis ça, mais à chaque fois, je dis... Enfin, à chaque fois, c'était la première fois, du coup, mais je disais, reste, hein. Tu restes, si... Enfin, si tu pars, je te fais la tête. Hein. Aïe, aïe, aïe. Puis là, vous nous avez vraiment, dans le tuto de Lola, vous nous avez vraiment eu comme on est tous les jours, toute seule en fait. Les vidéos, on n'est pas quelqu'un d'autre, on est nous-mêmes. On ne vous montre pas une façade qu'on veut montrer et après on est différente, non. Tel qu'on est dans la vie, on est en vidéo et voilà, on est naturel, tout simplement. Donc c'est vrai que bah, des fois, il y a des fous rires qui démarrent parce qu'on a juste à se regarder dans le blanc des yeux et... on sait ce que l'autre pense ou ce que l'autre va dire ou la bêtise qu'elle allait dire qui s'est retenue. Et on prend des fous rires du à ça, des fois, c'est quelque chose. Attends. Oui, mais je t'enlève, regarde. Je t'enlève ça, ça sera quand même plus pratique. Ah, j'ai pas coupé ici. Là, j'ai un doute que mon... Attendez. Hop, bougez pas, deux secondes. Ça vient pas de votre télé, vous inquiétez pas. Je sais pas si c'est mieux, mais j'avais un petit doute.
Vous allez découvrir en premier. Ah bah mince. La surprise c'est qu'il s'ouvre pas. Attends, si, mais t'as pas. J'ai pas coupé voilà. Ici. Là ici. J'ai ah pas bah coupé voilà. Du tout. Elle a oublié de couper sur un côté. La surprise c'est que vous allez rien voir du coup. Je suis désolée pour le faux espoir quand même. Non mais c'est pas grave. Je te le prends. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est encore rempli. Avance. Avance pas plus, sinon tu me fais tomber les flacons. Là. Tu le poses à côté et on va voir tout ça au fur et à mesure ensemble. Là. Alors, je commence par la carte. La carte, donc une super belle enveloppe verte avec un tamponnage noir. C'est une petite fleur. Ouais. Elle est trop belle. Ça va, elle est à l'aise. Hein. Elle attrape le matériel. Comment on fait? Comme ça? Ouais. Comme si c'était un couteau, sans me frapper. Pour pas que j'ai besoin de contacter SOS Maman Battue. Super. Non, je vous rassure. Oh, j'aime beaucoup. Ouais, elle est très jolie. Baisse un petit peu. Voilà. Elle est super. Attends, peut-être. Voilà. Ça brillera moins. Elle est vraiment super jolie. Donc, nous avons une base turquoise. Vert d'eau, moi, j'aurais dit. Ouais, turquoise vert d'eau, je sais pas trop. Avec une grande découpe cadre. Oui. C'est du papier. Miroir. Miroir. Avec des découpes de branchage. Feuillage. Feuillage. Heureusement, c'est pas grave. Sinon, on aurait vu ma tête. Et avec une petite fleur, une marque. Non. Je sais pas ce que c'est comme fleur, mais elle est jolie, jaune comme ça, jaune vert. Elle est super belle ta carte. Je vais lire ton petit mot. Et tu veux un petit. Tiens, regarde. Je vais expliquer quelque chose, hein, je vais montrer un truc. Quand tu veux savoir si c'est turquoise ou vert clair, tu viens là à côté et tu viens là à côté. Je vais pas prendre ce temps. Là. Donc c'est vert clair. Donc sur son petit. Parce que là j'ai mes encres de chaque côté. Elle m'a fait un tamponnage super beau. Comme ceci. Ça c'est privé. Oui, oui. Et là, un petit smiley avec les yeux en cœur. Et là, bah, deux mains qui font un cœur. Et derrière, nous avons la super belle fleur qui était sur l'enveloppe. Je lis ton et sur mon petit mot qui était colorisé. Ça devrait pas s'appeler des dents de sagesse, mais des dents de diable. Ah bah parce que ça fait mal, oui. Ça, on est d'accord. Merci infiniment pour tes mots, ça me touche énormément. Et oui, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et oui, j'en ferai très bon usage, t'inquiète pas. Alors, du coup, on va commencer. Un Papercraft 7 de chez Action. Je décale la petite carte pour ne pas l'abîmer. Alors, c'est... Ah, c'est les 7. Oui, c'est ce que j'ai pour dit. Pour Noël, ouais. Ah, il est joli celui-là. Je sais pas trop comment le présenter. Oh, elles les ont déjà vues, les filles, elles les connaissent. T'as des die-cuts, des sequins, des stickers, des papiers. T'as oui, plein de choses dedans. Merci beaucoup. En plus, je l'avais pas. Oh là là. Tu fais quoi? Merci. Ah, donc, moi, je fais rien. Je repose. Je là, je pense que c'était des papiers d'inset aussi. Oui. Mais un set où l'emballage est dû, des fois, ça se décolle. Donc, voici. Je monte les papiers. Non, c'est... je pense pas. Comme tu veux. Bah, au pire, si jamais vous voulez voir les papiers, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Voilà. Et là, il y a... Ça, c'est ce qu'elle est ensemble, en fait. Ah oui. Les die-cuts. Avec, il y a les die-cuts. La petite... pour faire une petite maisonnette. Et des papiers. Parfait. J'ai appris ma leçon par cœur.
Ah, mais je vois ça, hein, t'as bien révisé cette nuit. C'est pas d'aujourd'hui. Ok, elles sont belles. Ah, ça fait mal, ça. Oh, elle vient de se taper le coude sur le bord du bureau. Oh, j'ai eu mal pour elle. Je sais pas si vous avez entendu le splaf que ça fait. Alors, elle venait de bon cœur vous le montrer. Hein. Tirez un peu plus les bras en l'air et un peu moins lancé. Oh, ma pauvre chérie, fais voir, ça va? Oh ouais, t'as incrusté le... C'est incrusté la trace du bureau. Elles sont magnifiques, les petites fleurs comme ça, turquoise. Oh, turquoise, même bleu, mais elles sont trop belles. Avec les demi-perles et les petits cœurs. J'adore. Attends, mais ici... Ah, pardon. Je me fais engueuler, moi. Je suis sur mon bureau. Un magnifique pochon. Pochon, j'allais dire penchon. Non, c'est pas un poncho. Tu ne le mets pas sur tes épaules. C'est trop petit. C'est pas drôle, arrête de te moquer. Il est superbe. On dirait qu'on est venu tamponner dessus. Il est trop, trop beau. On met... Ah ! Il est en lin. J'ai des petits sentiments. Oh ! En mettant mes doigts dedans. Heureusement que tu as mis les doigts dedans, sinon tu n'aurais pas vu. Flower. C'est ça ? Ouais. J'ai deux petits flowers. En plus, ils sont trop beaux. Des petites découpes. Elles sont superbes. Elles sont belles. Là, je te les pose là. Tu les récupéreras. Alors là, je vais avoir une grande jalouse. Regardez. Oh, des éléments en métal. Des éléments en métal. Les ornements. Exactement. En métal. J'ai cru que j'avais encore dit une bêtise. Non, non, c'est moi. Des ornements. Métalliques. Des ornements en métal. Vintage. Les papillons, les fleurs, ils sont superbes ceux-là. J'adore. Merci beaucoup, beaucoup. Oh. Ouais. Pour les cartes pour mon chéri, quand j'ai enverré une carte. Ton chéri, à quel âge, précise quand même. 8 ans. Ouais. Et t'as quel âge? Ah bah j'ai 18 ans ce mois-ci, moi. Voilà. Et au moins, t'es sûre qu'il est sage. Mais la maman est d'accord, hein. Elle pourra témoigner dans les commentaires qu'elle est d'accord de notre relation. Hein. Oui, oui. Et maman aussi. Ils se marieront quand il sera majeur. Oh, on a failli nous voir. Tu pourras lui envoyer un cœur. Non, non, t'inquiète. Si. Bah, c'est vraiment, tu t'es baissé. On a failli te voir alors. Bref, du coup, voici. Oh. Voici les stickers camion, routier, quoi. Hein. Sur le thème transport, ouais. T'as les bateaux, l'hélicoptère. Non, pas le stop. Le stop, il est là. Oui. Le stop, ne pas passer, interdit de venir. Et là, c'est stationnement interdit, je crois. T'as vu, j'ai déjà le permis en poche. Hein. C'est bien, ça commence bien. En même temps, maman, avec son handicap, souvent, dans le, quand elle conduit, je dois lui dire stop. Non, stop, sachez le faire. S'il te plaît. Il y a un surtout stop. Par exemple, au stop, au céder le passage, je regarde à gauche et à droite pour lui dire c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Non, mais mes panneaux, je les connais, je vois clair quand même. Là, de magnifiques fleurs. Elles sont trop belles. N'allez pas penser que c'est un danger, hein. Je suis plus dangereuse qu'elle avec ma petite voiture. Ta petite voiture qui est ici présente. Oh, en plus, j'en avais plus. La LOL mobile. Oh, cool, mobile. Ah bah là, t'es contente. J'en avais plus. Elle a deviné, je suis sûre. Elle a lu dans tes pensées. Oh. Quoi, oh? Mais arrête de te baisser comme ça. C'est parce que j'ai cru qu'il y avait ma tête, mais non, c'était ton cercle. Du coup, voici. Alors, il y a des mini-pinces, des rubans, des boutons, des pompons, des fleurs, des diamants, faces, comme je les appelle, de la cordelette, des pompons sans paillettes. Oui. C'est trop bien. Des sequins papillons. Des sequins et un papillon. Et un voilà. Sequins papillons et petites fleurs. C'est vrai qu'il y a des petites fleurs. Je les connais par cœur. Il y a longtemps, tout au début, j'avais acheté le rose et le violet. Ouais. Oh, qui sont beaux les sequins. Je vais pouvoir faire des shakers. Ils sont superbes. Ils sont trop, trop beaux. Tu vois les couleurs? Ah, il y a deux couleurs dedans. Il y a des dorés et il y a des crèmes. Ça fait super joli. T'as vu? Oui, oui. Ouais. Par contre, on n'a même pas fait une moitié du carton. Même pas. Non. Non, non, mais... pour ça que je leur ai dit de bien s'installer quand j'ai vu le carton. Il est trop beau.
Un paper craft set, c'est ça? Oui. Il est... Attends, enlève ta main, s'il te plaît. Avec des petits nœuds. Magnifique. Bon, je sais pas si vous voyez bien. Sinon, tu montres le dos. Au dos, tu as tout... mais je vais me dire l'astuce avant. Bon, là, il faut qu'elle se couche devant la télé, mais sur le côté. Non, c'est bon, t'inquiète. Elles les connaissent, de toute façon. Bah, tu vas pouvoir t'éclater, toi. Et là, Noël, t'as aucun prétexte pour pas faire de tuto enfant. Hein. Ouh. Attends, j'ai peur de... Tu vas te mettre au serviettage aussi. Ah, mais j'aime trop ça. Je sais. T'en as déjà fait. Oui. Alors là, c'est des serviettes avec un petit poussin. Il est trop mignon. Le petit poussin au centre. Et là, toute la couronne de fleurs. Fais attention, c'est ouvert, donc c'est ouais, toi... Il y a toute une couronne de fleurs. Et c'est superbe parce que tu peux même venir récupérer que le poussin ou que la couronne de fleurs. Tu as une multitude de possibilités avec les serviettes. Elles sont super jolies. Mais non, mais t'inquiète pas, hein, je te les pique pas. La fleur. Oui. La fleur d'encre. Ouais, elle est la fleur dent d'encre, pardon. Oh, il est là, l'anneau. De quoi? Bah, le cercle. Oui. Je croyais que c'était ma tête, il est là. Ah oui, là, vous le voyez, là, ici. Je croyais que c'était ma tête. C'est le rond de lumière. Tiens, remets comme ça. Vous voyez? C'est le rond de lumière. Qu'elle a cru que c'était sa tête tout à l'heure. Mais ça va pas, ta tête. Les dyes. Il me semble que celui-là, par contre, je l'ai. Non, moi, je l'ai. Toi, tu l'as pas. Celui-là, je crois pas. Tu verras. Donc, c'est le dyes château... Qui est château de princesse. J'ai les mains. C'est le château de princesse. Ensuite, parce que c'est pas du tout fini, on en est loin. Oh. Pour les tutos du mercredi. Nous avons... C'est tout en feutrine. Des fleurs. Donc de plein de couleurs. Il y a rouge, orange, jaune, vert. Et bleu. Ah oui, je les avais pas vues. Des étoiles. Les mêmes couleurs. Et des girafes. Elles sont belles les girafes. Elles sont trop belles. Merci beaucoup. Mais là, tu vas pouvoir faire plein de choses le mercredi. Des dyes. C'est plusieurs nuages du coup. Ouais. Avec un éclair. Un tout petit nuage. Oui. Et là, c'est la goutte d'eau. Et la goutte d'eau. Il est trop beau. Donc là, si tu veux qu'il pleuve beaucoup, il faut que tu en coupes beaucoup des petites gouttes. Tu vas avoir des bras à la fin, tu vas voir. Ça va être musclure. Je suis déjà. Oui. Je me vante. J'adore. Oh, j'adore, Caddy. J'adore quand t'adores. Une plaque d'embossage. Je me rappelle. Descends un tout petit peu. Voilà. Et donc là, le motif. Bah, j'allais montrer derrière qu'il y a le motif, on voit bien. Ah, bah oui. Bah oui, tu prends mon taf, ça va. Hein. Attendez, j'essaye de. Voilà. Et hop. Et hop, là, impeccable. C'est super joli. Il est magnifique. Et ça vient découper les petites fleurs. J'adore. Ah. Attendez. Peut-être t'as plus assez de main. Nous avons un tampon, enfin un set de tampons de chez Action. Je sais plus comment ça s'appelle les signes. Donc là, on a le papier, pour, par exemple, pour faire du papier vintage, mmh. Vu qu'il est tout tourné, enfin tout plié, on va dire. Enroulé. Voilà. Et puis les fanions. Merci beaucoup. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, je sais plus. Bon. Des banderoles, des fanions, on appelle ça un peu comme on veut. Non, les fanions, c'est pas ça. Que vous avez beaucoup de temps devant vous. Ah, mais de toute façon, j'ai prévenu. On a tout ça à faire là. Et il y en a encore plein de cartons. Moi, je change de position en attendant. Ah, celui-là, je l'ai, elle me l'a envoyé la dernière fois. Oui. Donc, c'est une copinette. Tu verras avec pour le donner. Ouais. T'inquiète. Au pire, peut-être un tirage au sort par la suite. Donc, c'est un lapin. Oui, un lapin avec un petit poussin. Il peut faire deux animaux. Il me semble qu'on peut faire un deuxième avec, oui, le petit poussin. Bah oui, ben, j'ai dit le lapin et le poussin. Ah. Excuse-moi. Oui, excuse-toi, oui.
Me gronde pas, me punis pas. Là, c'est des cadres. Voilà, des cadres fleurs. Ils sont trop beaux. Là, c'est des flèches. Je le dis avant de le montrer, comme ça, maman ne dit rien. Rapproche un petit peu. Là, tu as eu la montre entière, mais vraiment en zoom. Pour celles qui ne l'ont pas croisée dans leur action. Voilà. Ça donne ceci. Bon, là, je le tourne, mais... J'ai à trembler, ton lolo. Oh, je les ai jamais vus. Des dies de bord, de bordure. C'est bien. Je parle avant, tu parles. Ah oui, non, mais je me tais. Hein. Ils sont trop beaux. Merci beaucoup. Là, c'est le dies cœur. On voit le cœur et le dies. Ouais. Et en fait, c'est coupé en plusieurs morceaux. Ça fait comme un puzzle. Il est trop, trop beau. J'adore. Attends, j'ai un bug là. Quoi? Bah, c'est la machine à laver. Oui, mais là, ils ont mis un appareil photo. Oui, parce que tu peux faire l'appareil photo aussi. Tu peux faire les deux. Ah, je me demandais, c'était quoi le rapport avec le linge à laver et... Parce qu'en fait, dans l'image, là, il montre un appareil photo. Et là, elle voyait le linge. Mais parce qu'on peut faire les deux. Tu vois, là, tu as ton cadre, le contour de ton appareil photo. Là. Oui, non, mais je comprends. Voilà. Mais sur le coup... Ah, tu m'en as mis un en double. Un doublon. Bah, du coup, c'est... Je l'ai pas, moi, celui-là, je crois bien. On regardera. Ouais, on regardera ça. Ensuite, oh là là. Je pourrais faire du Noël. Ça, c'est top. Donc, le bloc Luxe Paper Block. Book. 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 Bloc. Chez Boc. Il y a un L. B-L. O. On est à l'envers, la bichette. Oui. Ah, dyslexie à l'envers. C'est soit on maîtrise, soit on maîtrise pas. De chez Action. Donc, je pense que vous les connaissez. Avec la petite voiture, là. Quoi? Ah, je dis rien, mais j'attends. Mais dis-moi. Mais j'ai rien dit, il n'y a rien à dire. Ah, j'ai cru que tu avais une critique. C'est juste que ça fait un peu creux entre deux. De quoi? Bah, là, comme tu parles pas. Bah, parle. Ah oui, mais quand je parle, tu me grondes. Là, c'est en mousse. Très bien, merci. Tiens, parle un peu. Là, tu as plein de petites formes pareilles pour tes tutos. Ça va dire, oh, elles sont belles. Pailleté. C'est tout pailleté. C'est des mousses. C'est de la mousse autocollante en forme de cœur, d'étoile, de petites fleurs. Ils sont super jolis. Il y a plein de couleurs différentes. Allez, continue à présenter. Mais non, vas-y. Nous avons des stickers, encore pour la carte pour mon chéri, hein. Des stickers dinosaures. Ils sont trop, trop beaux. Ensuite, je mets en pause deux petites secondes, on revient tout de suite. Nous revoilà. Ensuite, du coup, recoucou. Ensuite, nous avons... un bloc, il me semble que c'est de chez Lidl. Je crois bien, oui, créé à Lando, oui, il me semble. Donc, je vais vous montrer quand même des papiers pour celles bah, qui n'ont pas connu. Oh, ils sont beaux. Donc, c'est du 20 feuilles à 4. Il y a du glitter dessus, ils sont jolis. Tiens, j'allume. Vous voyez, sur certains ballons, on le voit le glitter. Donc, un sur deux. Un côté avec et... derrière, sans glitter. Avec. Oh! Sans. Il y a du glitter. Ouais. Là, c'est une vague sur deux, il me semble. Ouais, c'est ça. Une vague sur deux où il y a du glitter. Donc, il y a deux papiers design à chaque fois, recto verso. Oh, les petits flamants rouges, ils sont beaux. Pareil, avec du glitter sur certains. Ils sont frais, ils sont beaux. Je présente correctement. Ah oui, oui. Donc là. Non, non, mais on voit, t'inquiète. Voilà. Oui, mais c'est que vu que je suis en bouquet, du coup, je dois me coller à toi.
Oh, ah, t'inquiète pas. J'ai cassé la surprise pour le suivant. Il est beau. Ah, j'aime beaucoup avec les faits. C'est pas les petits points de chaque action. Non. On a des petits points, on a des tout petits traits tout fins là. Gribouillis comme j'appelle ça. Là, mais c'est trop beau. Il est superbe ce papier. Toi qui aimes bien justement les couleurs douces. Donc encore une fois le même. Oh, oh là là. Pour ton amoureux. Des petits trop beau. Puis le glitter, c'est bien, ils en mettent vraiment par petites touches. Il est très joli comme papier. Les papiers sont mat. Oh, là, c'est spécialité. Avec des glaces. Il y a toutes sortes de glaces. Glace en cornet, les cônes. Les bâtonnets. Les sundae. Je sais plus. Comme chez... Il y a les glaces à l'italienne. Oh là là. Oui, les glaces à l'eau. Oh, ça... Ouais, ça donne envie quand même. Je sais plus. Tu sais, les glaces Les glaces... justement. McDo. Ah, et ben les sundae. Ben voilà, tu me regardais de travers comme si... Mais je t'ai pas regardé de travers. Ben non. Mais non, mais c'est une façon de pas... Oh, ah, c'est bon, moi j'ai faim. Là. Les cupcakes. Aïe. Mais mange pas. Non, mais t'as faim, mais le papier il se mange pas. Non, j'ai mangé le bureau avec mon coude. Ah non, mais ça se mange pas non plus. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a plus de bureau, hein, on pourra plus faire tuto. C'est joli aussi. Des cœurs, des ronds, des couronnes. Et t'arrives à te rapprocher un petit peu ou à te mettre différemment en fait. Ah, mais ça, j'ai. Oh là là, j'adore. Des petites étiquettes. Tiens, tiens le deux secondes. Yep. Là, on a plein de petites étiquettes. Il y a même avec des poissons et des coquillages. Le palmier et le flamant rose. La pieuvre avec la moule. Le flamant rose avec la glace. Ah, ils sont superbes. Et là, pareil, il y en a deux. Et le bloc est fini. Ah, ils sont super chouettes comme papier. Tiens, mais lui. Je te le pose là. Oh là là. Oh, un joli papier. Tiens, je te laisse présenter un peu, j'ai mal à tout. Vas-y. Donc là, on a un magnifique papier. Oh, il est beau, c'est un jaguar, ça. Ouais, je pense. Be brave always. Il y a l'autre côté aussi. Ah ouais, je vois ça. L'autre côté, il est trop beau. Et de l'autre côté, il est magnifique. Il y a un serpent. Donc, quand on regarde de près, on a le serpent. Alors, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas. On retrouve des parties là, un peu avec la tête en haut aussi. Il est super joli. D'un côté comme de l'autre, l'image est magnifique. J'adore. Ensuite, parce que ben, c'est encore pas fini. Non, tu vois pas le fond du carton encore, j'imagine. On commence un petit peu. Là, de chez Rayer, c'est des feuilles de mousse. C'est chouette. Alors, ils appellent ça comment, eux? Plaque crépia, 5 couleurs. 20 par 30. 0,2 mm. Enfin, il y a 2 mm d'épais. Ah oui, il faut l'ouvrir là pour... Oui, oui. Mais là, on ne va pas l'ouvrir. Il y a rouge, noir, marron. Donc, rouge, marron, noir, blanc et vert sapin. Ils adorent pour les fans de Noël. Ah, et puis, ils sont jolis. Elle est jolie comme mousse. On regardera avec tel que j'ai, là, que j'avais trouvé en lot, tu te rappelles? Voir s'il y a une différence. Ensuite, nous avons un bloc. Home. Tu veux que je le présente? Oui, s'il te plaît. Donc, de la marque Créalando. Ben, il a l'air super joli. Alors, set de carton motif tropical. Allez, on va découvrir. Oh, rien que là, j'adore. Donc là, en haut, tu as des formes. Pour faire des gabarits. Et là, les papiers. Donc, le poids, l'épaisseur. Tac, 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 tac. 250 grammes, le papier. Donc, on a un papier comme ça. Là, il est original. J'aime beaucoup. C'est entre guillemets simple et efficace. Là, beaucoup. C'est très tropical. Hein. On a
très chargé, très coloré. Ouais. Enfin, coloré. Avec les jaguars. Jaguars panthères, enfin. J'aime beaucoup. Là, plein de feuillage. Et c'est plus doux. Oh. J'adore. Bah, si tu adores, c'est déjà le principal. C'est vrai qu'ils sont jolis comme papier. Là, les branches de citronnier avec les citrons. C'est trop beau. Toujours palmier, enfin voilà, tout ce qui est plante tropicale avec le jaguar. Les jaguars, il y en a plusieurs. Donc là, il était dessiné un peu enfantin, vous voyez. Là, il fait plus réaliste, je trouve. Les bambous, ils sont magnifiques. Ah oui. Ça, je ferai une photocopie. Là, tu as plein de die-cut à découper. Que maman va me découper. Parce que maman m'aime. Heureusement que je t'aime. Oh, et les die-cut sont recto verso. Tu vas vraiment t'éclater à découper. Parce que du coup, on va faire des photocopies pour avoir de chaque. Ils sont recto verso, les die-cut. C'est ça qui est un peu dommage. Perroquet, elle est là. Bah non, parce qu'en fait, tu t'en sers dans le sens que tu veux. Si ton perroquet, tu veux qu'il regarde par à droite, il regarde à droite. Mais du coup, tu perds un côté. Mais enfin, les papiers, c'est toujours comme ça. Bah, on va imprimer. Oh là là. Là, les die-cut cactus. Oui, non, mais t'en as... Oui, mais il me fait penser à celui qu'on a. Oh, c'est pas la même variété, ça. Mais avec les oreilles de Mickey. Plus comme ça, là. Oui, mais là, c'est pour côté oreilles de Mickey. Mais regarde, là aussi, dans ce cas-là. Ouais, un peu tous, en plus. Mais c'est plus ça qu'on a, nous. Ça, ça. Celui-là, non, il est plus rond, plus... C'est pas pareil. Parce que j'en ai un de mon papa. Le cactus, donc du coup... Oh là, oh non, mais là, c'est pour me tenir fin, vraiment. Les fruits. Je sais pas ce que j'ai fait pour me tenir ça. Et même jusqu'au litchi, ils sont allés. Hein. Oh, j'aime trop. Là, avec Keno. Alors, elle va passer par là, elle va dire, non, ça c'est un, je sais pas quelle race, c'est pas Keno. Mais c'est pas grave, il ressemble à Keno. Bon, pas tout à fait, peut-être pas tout à fait toutes ces couleurs, mais c'est pas grave, pour nous, c'est Keno. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, il n'y a pas d'autre monde. Ils sont magnifiques, ces papiers. Oh, des bananes. Ah là, là, c'est banane partie. Avec les petits pois noirs. En vrai, il y a moyen de faire un très beau truc. Avec les bananes. Eh ben, tu nous feras ça avec les bananes. Là, on a des papiers unis. Donc, un très joli rose. Faut le temps que je réfléchisse pour quoi faire mes bananes. Ah bah oui, quand même. Un bleu qui est très joli aussi. Franchement, les couleurs, elles sont belles. Là, on a un orange. Orange, les mitrouilles presque. Jaune, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je pensais à une bêtise. À quoi? Non, je peux pas dire ma bêtise en vidéo. Un vert foncé, vert sapin, bah tiens, comme la mousse. C'est le même vert. C'est le même. Là, on revient sur encore plus rouille. Non, mais elle rigole. Le problème, c'est que je peux pas savoir pourquoi elle rigole. Par rapport aux bananes, il y a une phrase. Donc, noir, bleu pétrole, elle est superbe. Jaune. C'est pas jaune, c'est vert. Vert, c'est ça, ma fille. Oui, mais ça ressemble plus à ça. Ah, plus un crochet d'olive, oui. Bah oui. Oui, bon, bah c'est un jaune vert. Hein. Ils sont magnifiques. Et c'est pas fini. C'est pas fini? Waouh. Je te laisse montrer, tu travailles un petit peu. Je travaille un peu. Tu regardes pas. Donc là, ce sont des plaques de paillettes. Légèrement épais. Ah, ils appellent ça des glitter stickers. Ouais, je t'ai demandé d'y présenter. Stickers autocollants. Et, en fait, vous avez deux feuilles. Donc, la première avec des paillettes plus grosses, la deuxième avec des paillettes plus fines. Je vous montre de près. Et vous venez simplement découper, soit avec des dies, soit au ciseau, pour vous en servir dans vos créations. Et les couleurs, elles sont super jolies. Vous voyez, là, il montre un exemple. Voilà. Oula, ouh, je connais pas ça. Moi non plus, je les ai jamais vus. Ouh. J'aime beaucoup. Des tampons bois. Jamais vu, pour ma part.
Je remets dans le carton en ils même sont temps. Super hein. Jolis. Donc, oh là, celui-là, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. Là, avec des ronds et des fleurs à l'intérieur. Des cotins. Ouais, c'est du Action aussi. Et je les ai pas connus, ceux-là. Il est très joli aussi, celui-là. Bon, je vous montre les dessins du dessus. C'est là qu'on se repère le mieux. Mais les quatre sont magnifiques. Mais il y a un gros coup de cœur pour celui-là. Je sais pas pourquoi. Pour lequel? Moi, j'adore les quatre. Ah, mais les quatre sont superbes. Tu peux même faire sur un papier un effet de carreau de ciment. Tiens, en venant, tu les tamponnes et tu recommences. Ça peut faire super joli. En tout cas, je te remercie énormément parce que là, tu m'as... Et un ruban d'organza. Yep. Rose très clair, limite même abricot. C'est entre le rose et l'abricot. Il est très joli. Qu'est-ce que t'as perdu? Mon enveloppe, elle est tombée sous la table. Sous le bureau. Il n'y a pas de table là. Ah, franchement, ça pour se moquer de moi. Elle... Non, mais je vais aller. Ah oui, c'est bon. C'est pas parti sous les si, tiroirs. L'enveloppe, si. Là, c'est la carte. Oui, ben j'irai voir. On se débrouillera. T'inquiète. Bon. Ben, ça, c'est le carton que notre Fanchon a envoyé à Lola. Ouais, c'est mon t-shirt, il est rose. Mais c'est pas tout. Elle en a envoyé un deuxième. Attendez, hein. Oui, oui, t'inquiète pas. Elle est en train de tout remettre dans le sien, de refermer pour pouvoir attraper celui eh ben, qu'elle m'a envoyé. C'est trop, franchement. C'est beaucoup trop. C'est une musculation. C'est adorable, franchement, ça nous touche, mais... Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Ah non, rien, j'ai cru que j'avais déplacé le tapis. Non, non, le tapis, ça va, tu l'as pas bougé. Pas trop, du moins. Vas-y, ouvre mon colis, je te dirai. Mais non, c'est le scotch, il part. Du coup, je t'aide. À la poste, ils l'ont abîmé, mon scotch. Pardon, je te griffe sans vouloir. Tiens, prête-moi ta cuisse. Je te fais pivoter. Moi, je te facilite le travail et toi, tu te... Merci, ma chérie. Tu te mets en difficulté, voilà. Là. Dans la tête. Non. Oh là là. Et il est archi rempli aussi. Alors on va le mettre sur le côté là. Voilà. Je vais soutenir. Voilà. Et je vais aller à la pêche. Attends. Elle est contente de servir de porte-carton. Oh, qu'elles sont belles. Attends, ça m'embête. Oh, elles sont super comme serviettes aussi. Non. Il n'y a pas d'adresse là, sur la partie. Regardez, on a des serviettes, on a le petit poussin, les fleurs, les œufs, le panier. Elles sont superbes. Là, pareil, si tu en as besoin, tu viendras t'en servir pour tes tutos malheureux. Non, non, c'est bon là où je mets. T'inquiète pas. Tu vas pas t'amuser à déplacer toutes les deux secondes. Je vais en prendre déjà deux, trois. Oh, oh, en vers moi. Je te dirai rien. Voilà. Là, on a des planches de tampons. De chez Action. J'adore. La première avec les oblitérations. Là, enveloppe. Il est superbe. Et là, ici, on a toutes les plantes en pot. Il est très joli avec l'orchidée. Le terrarium avec les fleurs dedans. Là, on dirait un citronnier ou un oranger, je ne sais pas. Ils sont très jolis. Merci infiniment, ma Fanchon. Attends, j'attrape une petite pile. Yep. On referme et on continue. Là, on a un... ah ben, le même que Louloute avec le cœur qui se divise en plusieurs parties. Là, la machine à laver qui sert également pour l'appareil photo. Celui-là, je ne l'avais pas, celui-là. Je l'avais... Non. Ah, oh, ça, c'est chouette. Les fanions. Donc de différentes tailles, avec en bas ici présent, c'est marqué quoi? Attendez, je cherche ce qui est écrit. Hooray!
Hip, hip. Donc le mot ouré ici. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et hip ici. Voilà le modèle. Là, c'est les cœurs. Xoxo. La flèche amoureuse. Hip. Tu me dis quand tu as besoin d'une pile et je te passe. Ouais. Et avec cela, on peut faire des shakers en plus. Ça, c'est top. Donc, on a des cœurs. Là, ça représente quoi? On a la fleur, ses feuillages. C'est ça. La fleur et les feuillages de la fleur. Donc, le modèle qu'ils ont fait est ici présent. Tu m'en passes un petit peu? Merci, ma chérie. Tu cherches pas à regarder à l'avance, hein? Non, je te sens les dailles. Attention, hein. Là, c'est un die. Oh, il est magnifique. Cutting et embossing. Donc, c'est cette série. Et c'est les die tags. Où on a des formes super originales, super jolies. Le bouquet de fleurs, la plume. Il y a les œillets. Là, ici présent. Donc, ces petites choses-là, il ne faut jamais les perdre. Et ça donne ça. Tiens, j'ai encore des dies ici. Merci ma puce. Là, on a ce dies-là qu'on peut venir, par exemple, se servir pour faire des moonboards. Si on ne veut pas s'embêter à, comme moi, tracer les cases et machiner, on peut venir se servir de celui-là. Pour avoir un format, ça doit être un... C'est un 10, ouais. C'est un 11. 11 sur 11. On a parlé pour faire... Pour Pâques, par exemple. Mm. T'as vu la forme? Oui, oui, c'est des œufs. Des œufs. Là, pareil, c'est une collection qu'Action avait sortie. Comme le cœur, que je vous ai montré un petit peu précédemment, en vous disant qu'on pouvait faire des shakers. Oui, aussi, c'est la même collection. C'est la même collection. Où on peut faire des shakers. Mais la machine à laver, fais voir. Ouais, si, on peut aussi. Vous voyez, il y a deux lignes de coupe. Donc, ça permet de venir faire des shakers. Et en prime, on peut venir faire d'autres choses avec. C'est-à-dire que là, c'est fait pour, là, vous verrez mieux, faire un ballon ou une ampoule, par exemple. Mais on peut s'en servir aussi en œuf de Pâques. Merci, ma puce. Oh, il est chouette, celui-là. Je triche pas, je te sors le dice qui est... Là, nous avons un classeur d'embossage. Oh! Il est joli, t'as vu? Mm. Donc, qui embosse et qui coupe. Donc, voilà le rendu. Ça vient nous couper une petite fenêtre. Et ça fait un peu comme un drapeau américain, ça me fait penser. Oui, moi aussi, j'y pensais. Ça t'a fait penser à ça? Mm. Voyez le résultat, on le voit bien là. Il est super joli. Ah, celui-là, ben, je ne l'avais pas non plus. Quand c'était bébé, je ne prenais pas. Et en fait, par la suite, j'ai regretté, mais c'était trop tard. Little Baby. Avec les petits connards. La tete, le bibi et le hochet. Là, il est super joli. C'est vrai que je ne prenais pas quand c'était bébé, en me disant, bah, moi, Lola, d'ici qu'elle a un enfant, voilà, quoi. Et en final, après, je me suis dit, t'as été bête, Flo, de ne pas prendre les dice bébé, parce que le jour où, ben, je serais heureuse d'en avoir un. Et en fait, ben voilà, t'as su remédier au petit souci que j'avais. Alors là, on a une pochette où à l'intérieur, tu as glissé. Tiens, oh, il est joli ce papier. Des planches de stickers, stickers de Pâques. Regardez comme elles sont jolies. Donc on a des petits lapins, des fleurs, des poussins, des papillons. Là, ils sont... Avec des bordures brillantes. Ils sont un peu bombés, ceux-là. Ils sont super jolis. Là, c'est avec les bordures roses. Et là, c'est avec les bordures bleues. Il y a même les lapins en chocolat. Mmh. Je ne les montre pas à Lola, sinon elle va vouloir les manger. Ça va lui donner faim encore. Là, il y a le neuf en chocolat. Mmh. Et là, elle a mis ça dans une pochette. Mais le papier est juste magnifique, regardez. Il est trop beau le papier. Donc je les re-range dedans. C'est vrai que c'est bien pratique. Ça permet de ne pas les abîmer.
Je te remercie infiniment. Alors, je ne triche pas, je sors au fur et à mesure pour pas qu'elle ait à attendre avec vous non plus. Oh, ça c'est top. Set de création en feutrine. Alors, eux donnent des idées de ce qu'on peut faire avec, mais on n'est pas obligé. Ça se présente comme ça. Donc, ça c'est Créalando. Créalando. Ouais, c'est Créalando. Pourquoi tu dis Créalando? On a 12 pièces. Je pense peut-être à l'Udo, même si on peut l'enlever. Udo, il montre qu'on peut faire des petits paniers, qu'on peut faire voilà, des guirlandes, on peut faire plein de choses. Il y a des épaisseurs différentes. Ah ouais, vache, la différence d'épaisseur. Regardez. Vous voyez, l'épaisseur là et l'épaisseur là, c'est impressionnant. Donc ça, pareil, ça permet de faire plein de choses, la feutrine. Et on a des couleurs différentes, on a du parme, du bleu clair. C'est que des couleurs claires, mis à part le marron, c'est que des couleurs claires, elles sont super jolies. Et là, on en a un décoré. Merci infiniment. Je pense que tu vas être le plus heureux du monde. Attends, c'est pas tout. Ah, j'adore. Tu ne triches pas. Non, je triche pas, moi. Je fais pas comme toi qui as été entre deux, discrètement. Non. Oh, j'adore les blocs comme ça. Et ça, action, on avait sorti, mais je n'en ai, pour ainsi dire, jamais trouvé. C'est même pas pour ainsi dire. On en avait trouvé un une fois chez Nose. Moi, j'en avais eu un. T'en avais eu un, toi? Ouais, de chez Nose. Oui, de chez Nose, mais qui venait d'action, mais chez Nose. Oui. Mais il est superbe, là, regardez. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est des blocs de die-cut qu'on vient recoller en 3D, c'est-à-dire... Là, vous venez et vous prenez, vous recollez vos éléments par-dessus de façon à redonner la hauteur. Tout simplement, donc, il est... Voilà. Voilà, il y a plein de modèles différents. Ils sont superbes avec les chocolats. Ils sont super jolis. Là, avec les chaussures. Merci infiniment. Donc, on a celui-là. Luxe Paper Block. Il est chouette aussi celui-là. Là, c'est tout ce qui est vellum, die cut et papier décoré. J'ai l'impression qu'ils en font plus. J'en vois plus passer dans les halls. Regardez. Yep. Là, ça fait très jungle. Jungle. Ils sont super. Les petits chiens, regardez. Alors, j'allais dire une bêtise, mais après, si quelqu'un en a, il ne faut pas vous vexer. Hein. C'est des petites saucisses à pâte. Mais je dis ça affectueusement, attention. Je ne critique pas. Je ne dis pas ça méchamment. Là. Ça fait des taches, mais là, regardez. C'est vraiment un effet poil d'animal. Oh, oh là là. Oh, qu'il est beau. Regardez-moi ça. Je vous rapproche, oui, je vous rapproche. Oh là là, les animaux, il a l'air superbe. Oh, j'adore sa bouille. Un bisou. Un bisou. Des fois, tu peux vraiment faire peur, tu sais. Je sais. La tortue, le dauphin, ils sont magnifiques. J'adore. Le zèbre, les ours blancs. Éléphant. Éléphant, lion. Panda. Ouais. Avec... Non, non, t'es à l'envers, ah non. Là. Là, c'est le paresseux. Le paresseux. Là, c'en est un qui vient de devant. Qui s'était sauvé. On va le laisser là pour pas le perdre. Là, on a le lionceau. Le rhinocéros. Putain, ça, faut pas se prendre ça, hein. Faut pas être devant et se prendre ça dans le popotin, parce que ça fait mal. J'en étais sûre. Non, mais regardez-moi la corne. Elle est pointue, hein. Ça doit faire mal, hein. Page suivante. Ok, c'est mignon. La jument avec son bébé et les petits hérissons. Oh, c'est trop beau. Ah ben moi, j'ai passé des heures à les couler. Le coq, la vache. Oh, j'adore le regard qu'elle fait. Le coq, j'aime un peu moins. Regardez la vache, le regard qu'elle fait. Elle fait un peu peur. Mais elle fait pas peur. Non, mais je sais pas. Tu la vois de profil à l'envers en même temps.
Là, on a le lion avec sa lionne. Le morse. Non, le morse et le... la morse... je sais plus qui est qui. Il y a le morse, il a les dents. Donc, le morse, il est là, ça, c'est sûr. Mais là, c'est pareil, ça morse aussi, on est d'accord. J'ai dit une bêtise. C'est-à-dire quoi? Ça, c'était le phoque. Non, le phoque, je crois pas qu'il... Non, il a pas de dents, le phoque. Il n'y a pas des grands trucs comme ça qui descendent. Oui, je lui mime l'effet des dents qui descendent, mais vous, vous voyez pas. Là, on a plein de magnifiques fleurs. Oh, le poisson, il est beau aussi. Oh là là, les coraux. C'est trop beau. Et voilà. Et le suivant. Oh, qu'il est beau. Oh, mon Dieu. Sa tête, on dirait un enfant. Un dirait. Ah, j'adore. Arthur, il va l'aimer. Pourquoi? C'est les Égyptiens, lui. Ah mince. C'est pas pareil. Ah mince, pardon. Oh, oh, trop mignon. Je suis amoureuse de lui. Du lapin. Oui, mais Ewen, il va être jaloux. Non. Là, on a un cadre avec une indienne. Ils sont superbes. Moi, je vais pas vous faire tous les papiers, hein, si vous voulez les voir. Là, on a des stickers. Allez, je vous montre les stickers et après... Oh mon Dieu, oh là là, j'adore. Et après, si vous voulez les voir, vous nous le dites, on vous refera une vidéo. Mais je les regarde vite fait comme ça. Yep. Ah, ils sont trop beaux. Oh là là. Oh là 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 là. Quand j'ouvre le carton, tu regardes pas. Oh là 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 là. Là, on a des... vous savez, les petites fleurs en résine avec les demi-perles. En rouge, elles sont magnifiques. Il y a un problème. Merci infiniment. Mais c'est pas collé, c'est juste statique. Oh, c'est joli ça. Ah non, c'est juste pas du tout. Oh, c'est beau. Regardez. Pour venir coller dans une créa. Ouais, c'est comme. Yep. Voilà. Vous voyez, ça fait comme derrière les fleurs. J'essaie de vous montrer au mieux sans tout sortir. Voilà, là. Quand il y a des lots de fleurs, des fois, il les tourne. Et puis là, c'est pareil. Et ça, c'est super chouette pour venir coller dans une créa. C'est joli. La couleur est magnifique, en tout cas. Ah, il y a même une découpe de deux dedans. Yep, voilà. Merci infiniment, ma Fanchon. T'as déroulé, toi. C'est fait... comment il est tombé? T'as fait la patate. Oh, non, il s'est déroulé dans le carton. Il est super joli. Je te remercie infiniment, ma Fanchon. Donc, les tampons, comme pour Louloute, là, tu m'en as mis un. Il est magnifique. Ça fait très fleur, je trouve. Très carottiment en même temps. J'aime beaucoup. Allez, j'attrape ces deux petites choses-là. Là, on a des sequins. Ils sont magnifiques. Et tu fais quoi? Donc là, on a plein de couleurs différentes. Mais elles jouent, elles sages. Ils sont très jolis. Et là, on a dans les teintes de vert, pareil. Là, il y a plein de verts différents. Ils sont magnifiques. Donc, je vais pouvoir refaire des shakers aussi. Ça, pourras-tu le replier? J'y arrive pas. T'avais fini de le replier? Mais non, ça s'est tout redéplié. On a un ruban de satin vert avec des petits cœurs blancs dessus. Alors, je le roule et je vous le montre. Parce qu'elle se battait avec, mais bon. C'est pas grave, ça. Oui, ben, je le roulerai après. Non, pas que je n'y arrive pas, regarde. Mais j'ai pas d'élastique à portée de main. Ouais, ouais, c'est cela, ouais. Avec les petits cœurs blancs. Mais j'ai pas d'élastique là à portée de main, donc je finirai de le rouler après. Oh, oh là là. Oh, magnifique. C'est encore pas les mêmes que toi que t'as fait. Non, je crois pas. Regardez ça. Ils sont trop beaux. Alors. Non, c'est pas les mêmes. Ils sont magnifiques. Ça fait très... Ouais, je me répète, hein, mais ça fait très carottiment. Et là, regardez. Yop. Et yop. Donc, c'est top. Il n'y en a pas un identique. Essaye pas de tricher, ça va mais pas. Mais j'essaye pas de tricher, moi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je regarde juste que tu fasses pas de bêtises dans ton coin. Je rigole. Là, on a un ruban de satin violet. Avec des petits zigzags. Il est super joli aussi, celui-là. J'aime beaucoup.
Merci infiniment. Eh ben regarde, ça, ce que tu me disais que ça t'était resté dessus, c'est ce qui emballait le ruban. Voilà. Merci ma puce. Oh là là, oh là, j'aime beaucoup. J'aime tout. Dans un, ouais, mais de toute façon, sauf les coups de pied aux fesses. Dans un très joli pochon d'organza blanc. On a, alors attends, il y a une petite fleur qui est venue se glisser Ouais, dedans. j'ai essayé de la Voilà. décoller, mais j'ai pas réussi. On a des petites fleurs comme ça. Attends, il y en a encore un qui s'est collé là. Voilà, je l'ai eu. Trois très jolies fleurs comme ça. La matière, c'est marron. Je sais pas ce que c'est. C'est du plastique, hein. Mais ça fait pas comme les petites fleurs comme ça en espèce de résine. Ça fait un peu plus souple au toucher. Elles sont super belles. On a deux rubans. Alors, je vous montre déjà ce qu'il y a dedans, comme ça je vais pouvoir remettre. Plein de petits strass fleurs. On a des fleurs et des ronds. Elles sont super jolies. On a un petit nœud devant. Tout choupi. Et là, on a deux rubans. Un ruban bleu avec des ronds. Et un ruban argenté. Merci infiniment, ma fanchon. Et c'est pas bête, oui. Bon, ça, tu me diras, ça fait longtemps que j'ai pas vu de crochet comme ça. Mais c'est pas bête pour les coincer, les rubans. Ah, c'est les rubans, les trucs des cintres. Des vêtements, ça. Mais des chaussures aussi. Avec les tongs et tout. Ah non, pas du tout. Non. Non, là, des fois, ils mettent ça, c'est sur les sous-vêtements pour bloquer la culotte à quelque chose. Ou, voilà. Oh, merci ma puce. Là, on a un petit coffret en bois avec un séparateur. Et à l'intérieur, on a d'un côté de la cordelette et des breloques. On a deux breloques cœur, un breloque étoile de mer. Et de l'autre, plein d'éléments en bois. C'est toutes des fleurs. Elles sont super jolies. Il y a une flèche aussi, je vois. Ouais, c'est chouette, regarde. Je vais essayer d'en sortir un truc quand même. Tac, celui-là, il n'y est pas. Là, ça y est pas. Ça y est. Pardon. La petite flèche, elle est trop belle. Allez, je le glisse là. Regardez-moi tout ça, comme c'est trop beau. C'est super original, merci infiniment. Genre, cette petite flèche est d'une finesse. Wow. Merci de tout cœur. Oh, là, tu vas être jalouse. Je l'ai déjà 3 fois. Tu l'as celui-là? Ouais, les copinettes, elles me l'avaient envoyé. On a un washi avec des vernis à ongles. C'est de la même collection que les talons, je crois. Il est super joli. Merci infiniment. Donc on a du vernis rouge, du vernis rose, du vernis. Ça doit être du transparent, mais ça ressort bleu très clair. Il est super beau. Attendez. Cherchais le début. Voilà, comme ça vous allez voir comment il est. Voilà. Il est super joli, merci infiniment. Ensuite, on a des rubans. On a un ruban d'organza rose clair. Ici présent. Là, on a du ruban d'organza jaune et du petit croquet jaune aussi. Très joli. Croquet, en plus, j'en ai pas beaucoup, donc ça tombe vraiment bien. Je vais peut-être brancher le téléphone, être sûr qu'il ne nous lâche pas en cours de route parce que je ne sais pas ce qu'il lui reste en batterie. Donc, hop. J'essaye de ne pas trop vous faire bouger pour ne pas vous donner le mal de mer. Et là, on a un lot. Oh là, tu as aimé celui-là, toi. Ouais, j'aime bien. On a un lot. Il est super joli aussi. On a un petit parme. On a des sequins argentés. Donc pour faire le thème de la mer avec des sirènes ou quelque chose comme ça peut être superbe. Là, un ruban blanc avec des petits triangles gris et rose. Là, un ruban d'étoile, pareil, ça fait tout holographique comme ça, c'est super joli.
rose avec des étoiles blancs et vert d'eau avec un effet couture de chaque côté. Merci infiniment, ma fanchon. Ils sont superbes. On a encore ici présent un petit ruban de satin parme, cherchez le mot, avec un effet petite croix comme ça. Très joli. Il est magnifique. Merci beaucoup. Bon, il y a un truc, je voulais attendre la fin, mais c'est pas si facile d'attendre la fin. Donc, petite anecdote avant de le montrer. Déjà, il faut de la place. Un coup, comme d'habitude, on regarde les vidéos de Fanchon. Quand tout à coup, elle a montré sa box, une box verte. Et toute la soirée, elle m'a parlé de sa box verte, maman. Mais elle est trop belle, sa box. Et du coup, j'avais contacté Fanchon pour lui demander si elle avait pas un projet de la vendre au cas où pour en faire cadeau à maman. Et elle m'a dit que je suis dans le secret depuis le début, mais qu'elle l'offrait à maman. Donc la box est dans le carton. Vous êtes sérieuse? C'était bien ça. Mais il fallait pas, les filles. C'était ça. Oui, mais non. Elle est là. Alors, est-ce que tu vas attendre la fin et finir ce qu'il y a dans le carton? Non, ça veut dire non. Bon. Et je dis pas non, c'est pas ça que je dis. C'est que déjà, je suis surprise parce que, premièrement, je m'y attendais pas. C'est vrai que quand tu as montré tes box, oh, j'ai dit à Lola, elles sont magnifiques, franchement, waouh. J'en ai entendu parler tout le temps. Elle va nous faire des super choses. Merci. Ouais, il y en a une dans le lot où j'avais un énorme coup de cœur. Et bah, je te remercie de tout cœur, mais il fallait que tu la gardes. Franchement, ça me gêne parce que bah, je sais ce que ça coûte, ces choses-là. Et ça m'embête. Je sais que c'est fait avec le cœur. Hein. Oui, puis toi, je sais que tu n'as pas été quémandée du... Non, j'ai demandé si elle la vendait, que j'étais prête mais, à le racheter. Puis... Bah, allez, je vous montre. Allez, je vous montre pour celles qui n'ont pas vu. Ça m'étonnerait que vous n'ayez pas vu, mais... Rien que la présentation, regardez-moi ça, c'est waouh. Regardez. Ils ont une présentation de fou. Oh là là. Fixé par un velcro. C'est trop beau. Hein. Oh là 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 là. Oh, mon Dieu. Tu peux la décaler? Donc, on a une pochette. Les trous dedans? Ah oui. On a une pochette. Où on a les dies. Donc voilà. Hein. Tout ce qui est rouage. Steampunk, j'adore. Là, le filament avec l'ampoule. Un rouage. Le cul de la... Le culot de l'ampoule. Là, c'est pareil. C'est magnifique. Regarde. Franchement, j'ai même plus les mots. Je sais plus quoi dire, là, franchement. Pour vous dire, elle avait regardé 6 fois la vidéo. Vous pouvez regarder 6 fois. Pour être sûr de bien connaître. Ah mais au cas où j'arrivais à la revoir un jour. Un jour futur. Sur Vinted, on sait jamais. Non mais regardez, là vous avez les tampons assortis. Donc on a l'ampoule qu'on retrouve. Avec le culot. Le filament. Tous les sentiments. Des rouages. Franchement, ils sont superbes. Là on a une bande numérotée. Là, yep. Voilà, on a un pochoir avec tout un tas de chiffres en escargot, j'appelle ça, je sais pas si c'est un autre nom, mais et c'est bien parce qu'ils sont pas dans l'ordre, ça va du 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, c'est, ouais, j'adore, mais il fallait pas t'en séparer, franchement, je suis certaine que tu allais faire de magnifiques choses avec. Là, on a des papiers. Alors, pareil, je ne les déballe pas. Et si vous voulez les voir, vous le dites, on le fera en vidéo. Oh là 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 là. Là, on a une deuxième planche de tampons. Où on a des sentiments, le papillon. Des fonds. Les rouages, les taches. Oh, ils sont magnifiques. Another birthday was counting. Oh là là. Merci de tout cœur. Non, on va regarder les papiers quand même. Allez.
Si, il s'ouvre bien là. Oh là là. Regardez-moi ça. Donc celui-là, vous l'aviez déjà aperçu. J'aime beaucoup. Ça te donne pas mal à la tête, là, tous les calculs, ça va? Non, pas du tout. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ils sont trop beaux. Là, on a un papier avec des papillons. Un papier avec des rouages. Là, les chiffres, j'adore. Il y en a que je vais photocopier. Là, des rouages, des feuillages. Là, on a encore plein de calculs. Des calculs scientifiques, hein, attention. Je m'amuserai à essayer de les déchiffrer. Non, même pas en rêve. Là, plein de morceaux de papier avec les chiffres dessus. Ils sont... Wow. J'en reviens pas. Je sais même pas comment te remercier, là. Franchement, franchement. C'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. À l'intérieur, on a du papier de soie pour protéger. Là, on a d'autres papiers. Oh là 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 là. Là, il y a la petite carte de présentation. Là, il y a des cartonnages. Des tags cartonnés. Oh là là. Et c'est pour faire de la patouille. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Un pinceau. Il y a un pot de peinture acrylique bleu. C'est violet, ça. Bleu-violet. Ouais, entre les deux. Là, blanc. Attends, ils écrivent dessus. Oui, bah bien sûr, là, ils ont écrit white gesso. Donc, ça, c'est du gesso. Mais là, acrylic paint. Ils auraient pu marquer la couleur, au moins, ça tranchait. Et on a un petit rouleau pour venir étaler. Il est rigolo, il est chouette. C'est pas bête, leur système. Et pour finir, on a le petit catalogue qui va nous expliquer de quoi faire et comment. Tout simplement à l'intérieur avec ce kit. Merci infiniment, ma Fanchon. On va pouvoir s'éclater. On va faire plein de choses ensemble, les filles, avec ça. On fera des tutos, ouais. Merci de tout cœur. Et ces boxes-là... Il y en a où on fait des albums, mais comme là, ça va être pour faire plein de choses. Donc, merci infiniment, ma Fanchon, j'ai pas de mots. Merci à toi, ma Ludie. Merci de tout cœur. Allez, je réglisse tout ça dedans. Merci infiniment, j'ai plus de mots là. Elle est trop belle. Voilà pourquoi je me suis occupée du carton. D'accord, je comprends mieux pourquoi tu m'as pas laissé le carton à côté. Ensuite, il y a encore plein de choses. Il y a encore plein de choses. Tout ça. Oh là là, t'es folle. Des rubans de satin. Donc, on a un rose clair avec les petits zigzags. Attendez, j'ai quelque chose dans l'œil, donc j'essaye de me l'enlever en même temps. Merci, ma puce. Hein, un rose fuchsia avec des petits cœurs. C'est mieux? Ouais, plus ou moins, ça va aller plus. Un vieux rose. Ils sont superbes. Avec les petits cœurs. Un vieux rose avec les zigzags. Et un bleu ciel avec les zigzags. Oh, ça, c'est top. Excusez-moi. Là, on a des ornements métalliques. C'est les feuillages en plus. On a trois fleurs, mais plein de feuillages. Et ça, quand c'est sorti, c'est pareil. C'est sorti avant qu'on se mette à scraper. Et quand on a commencé à scraper, c'était vraiment la fin. Donc, comme je ne savais pas à quoi ça servait, j'avais dû en prendre un lot, je crois. Mmh. Mais pas de plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc, merci infiniment. Ceux-là, je ne les avais pas vus.
Merci de tout cœur, ma Fanchon. Ils sont superbes. La petite fleur, tout, ils sont beaux. Là, elle fait vraiment réaliste, celle-là. On en parlait tout à l'heure. Oui, tu parlais de ton coffret violet que tu avais acheté, que tu avais fini. Eh bien, Lola, là, l'a eu en rose. Elle me l'a mis en violet. Donc, on a les boutons, les rubans, les petits pompons, les fleurs, la twin, les petits nœuds, les sequins, les petites pinces. C'est vraiment un kit qui est complet et qui sert à beaucoup de choses. Brum, brum, tut, tut. Mais elles sont plus petites. Je rigole. Regardez. Tout à l'heure, elle a eu tous les véhicules de transport. Là, c'est plein de petites voitures. Elles sont toutes rigolotes. Ouais, c'est mignon. Pour venir décorer les enveloppes, ça va être sympa. Ouvre la bouche pour maman. Ouvre la bouche pour papa. Les petits avions. Là, on a le dessin là. Et après, on a tous les petits avions. Mais pour venir décorer les enveloppes, ça peut être super mignon. Enfin, c'est pas, c'est peu, ça peut, c'est sûr. C'est super mignon. Ensuite, là, par contre, je suis vraiment jalouse. T'es jalouse? Attends, on va décaler un petit peu. Là, comme ça. Je vais commencer à retourner. Et là, on a un bloc 3D. Oh, là, oui. Ah, oui. 3D Disney. Oh, je sais pas où t'as trouvé ça, mais alors, chapeau. C'est tout pareil, comme je vous ai montré tout à l'heure le 3D. On vient recoller les morceaux au fur et à mesure par-dessus. Et là, c'est tout sur le thème Disney. Donc, il y a Winnie, il y a Tigrou. Là, pareil, on pourra faire des photocopies, si tu veux. Je sais pas où t'as trouvé ça, mais alors... Bourriquet, Winnie, Porcinet, Tigrou. Winnie en bas, avec la tête de Porcinet. Tu l'imprimes, tu la mets sur ta chaussette. Non, c'est Bourriquet que j'avais sur mes chaussettes. Et bah, tu imprimes Bourriquet et tu mets sur tes chaussettes. Et Porcinet, c'est la première pluche que tu as eue quand tu es née. C'est mon papa qui lui avait offert, parce que voilà, papa, il connaît les goûts de sa fille-fille. Hein. Donc pour sa petite-fille, bah, il avait offert Porcinet à la naissance de Lola. Parce que j'adore les petits cochons. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose que je n'avais pas dit jusqu'à maintenant. C'est mon animal préféré. Ils sont trop beaux. Qu'est-ce qu'il y a là? Si je vous dis que quand, bah, quand j'étais beaucoup plus petite, hein, ça date vraiment longtemps, dans les toilettes, il y avait des cadres avec plein de petits cochons. Mais je les ai encore, mes cadres. Oui, je sais bien. Ils sont dans un carton en bas, mais je les ai encore, mes cadres, avec toutes les photos de... L'animal, hein, on précise. Oui, oui, c'est l'animal. Hein. Non, je préfère préciser quand même. Regardez, ils sont superbes. Oh. Non, je m'en rappelle même si c'était hier, il y avait des petits cochons partout dans la toilette. Ouais. Elle m'a toujours dit, mon rêve, c'est d'adopter un bébé cochon. Non. C'est ça. Ils sont trop beaux. Merci infiniment. Du coup, un coup, j'avais regardé sur le bon coin pour t'en ouvrir. Petit gros. Ah oui, mais maintenant, j'ai plus la santé pour un cochon de main. Oui, puis tu m'avais dit, mais je rigole, hein, je vais quand même pas en adopter. Hein. Ah, ça, c'est bien quand t'es en maison, mais en appartement, la pauvre bête. Merci infiniment, ma Fanchon. C'est... J'ai plus de mots. C'est waouh. J'ai plus de mots, j'ai... T'es une femme merveilleuse, une femme en or. C'est dommage qu'il y ait quand même des kilomètres entre nous, parce que ça aurait été un réel plaisir de te rencontrer, mais bon... Hein, le monde est petit, qui sait, on aura peut-être le plaisir de se rencontrer un jour. Mais en tout cas, tu as un cœur qui est énorme et je sais même pas comment te remercier. Et moi aussi, je te remercie infiniment pour tout. Donc, on va te faire plein de gros bisous. Je vous mets, comme d'hab, en lien la chaîne de Fanchon. N'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner. Elle est toujours... mais super positive, dans la bonne humeur, la joie, la gentillesse. Et heureusement que voilà, qu'il y a des personnes comme ça qui sont vraiment top. Heureusement qu'il y en a dans ce monde. Allez, on va vous faire plein de gros bisous à toutes et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Je t'embrasse très fort, ma Fanchon. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous envoie des gros bisous. Prenez soin de vous, frappez bien et à très vite. Ciao, ciao, je vous aime.